Misavatra ny fiainanao tena manimba ilanao na hoe manimba ny fiainanao misavatra tadinimba ny fiainanao misy situation ohatra na eritreretinao hoe olona na hoe misavatra manque ny fiainanao dia tadio fa Jesosy dia eo foana miandry fotsiny izy a ianao iantso anazy amin'ny fotoana ianao mamela amin'ny fotoana ianao miteny anazy hoe avelako meko anao zao zavatra zao dia ho afaka ianao satria rehefa ianao concentré amin'ny le zavatra mahazo anao dia lasa adino adinonao tanteraka mihitsy hoe io andriamanitra miaraka aminao fa rehefa ianao nefa mitodika any amin'andriamanitra concentré aminazy dia ho afaka tanteraka ianao koa dia manasa anao ninina mitrangy ny fiainanao amin'izao fotoana zao dia meo anazy daholo atsoy aho izy izy dia ho valiko ianao mahereza to C'est le Saint-Esprit que tu blasphèmes, qui ouvre ta bouche pour manger, qui te fait respirer comme ça, qui te donne sa miséricorde chaque matin pour que tu puisses aller travailler et nourrir ta famille. C'est le Saint-Esprit que tu blasphèmes, qui te protège de tout danger, parce que l'ennemi, écoute-moi bien, si c'est Satan, il veut te tuer même aujourd'hui. Mais c'est le Saint-Esprit que tu blasphèmes qui te protège, qui te garde, toi et toute ta famille. Alors mon ami, fais attention à ce que tu dis de la parole de Dieu, à ce que tu dis des enfants de Dieu surtout, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Fais attention à ce qui sort de ta bouche, car Jésus a dit que toute parole inutile que tu as prononcée, se retournera contre toi, on te le demandera devant le trône de Dieu. Fais attention. Je te suggère, je te conseille de te repentir et d'accepter Jésus-Christ. Je te conseille vraiment, si tu veux vivre, d'honorer le Père, d'honorer le Fils et d'honorer le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui te fait vivre aujourd'hui encore. Soyez encouragés, mes frères et sœurs. Les enfants de Dieu ont été appelés à briller, à régner, à gouverner. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des mauvaises langues. N'ayez pas peur du monde. Jésus a déjà vaincu le monde. Être un enfant de Dieu ne veut pas dire porter des chaussures trouées, des habits déchirés. Être humble n'est pas comme ça. Être humble n'est pas être simple comme vous le prétendez. Être humble, c'est de s'humilier sous la main puissante de Dieu. Être humble, c'est de pardonner lorsqu'on vous crache dessus, comme Jésus a fait. Être humble, c'est se mettre à genoux devant le Père et dire que je ne suis rien sans toi. C'est toi qui me fais vivre, me donne l'espoir. C'est toi qui me donne la nourriture au quotidien. Si tu manges encore, mon ami, toi qui ris de Jésus, si tu manges encore aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si tu respires, c'est grâce à Jésus. Alors pense bien. Pense bien avant de dire n'importe quoi sur le Christ. Pense bien avant de dire n'importe quoi sur le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui... La vie chrétienne, la vie avec Jésus-Christ, la vie avec Dieu, n'est pas ce que la religion vous a montré depuis des générations. Ce n'est pas ce que la religion vous a raconté. Être sainte n'est pas ce que la religion vous a raconté. Porter des longues robes et traîner avec. Non.
La vie avec Dieu, c'est une relation entre un enfant et son père. Une relation intime. Tu n'as peur de rien parce que Dieu est avec toi. N'aie peur de rien. Lorsque tu sors, représente Christ. Sois propre, sois belle. Sinon, à quoi ça sert? À quoi ça sert si tu te caches? Pourquoi on devrait se cacher? Jésus n'a jamais dit qu'on devrait se cacher. Non, il a dit « régnez ». Ne vous trompez pas, mes frères et sœurs. Il est écrit dans la parole de Dieu. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires, dit l'Éternel. Je te donne la responsabilité de démolir, de bâtir et de construire, dit l'Éternel. Voici, je vous donne la clé du ciel et de la terre. Tout ce que vous liez sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans les cieux. L'Éternel est à mes côtés. Quand il est à mes côtés, je ne suis pas ébranlé, dit la parole de Dieu. Ne vous trompez pas, les enfants de Dieu ont été créés, prédestinés à briller pour Dieu, à vivre pour Dieu. Ils ont été créés, on a été créés pour briller, pour être belles, pour être soignées, pour être des enfants.